chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait à des Juifs convertis et qui avaient des problèmes à abandonner les lois juives. Donc ils étaient dans un dilemme. Que faut-il choisir? Christianisme ou judaïsme? Et dans ce dilemme-là, Paul leur écrit. Et Paul écrit en disant, au lieu de vous dire, voici ce qu'il faut choisir, je vais simplement comparer et vous pourrez à votre tour établir vous-même, hein, faire la différence et vous pourrez choisir en connaissance de cause. Alors l'auteur compare et à la fin, il demande à ses auditeurs de conclure. C'est le principe du supérieur au meilleur. Les deux boulangeries, la première boulangerie écrit « meilleur pain » et la deuxième boulangerie qui était en face fait écrire « supérieur au meilleur ». Donc, c'est « supérieur au meilleur ». Le chapitre 1 et 2, pour l'apôtre Paul, parce que je crois que c'est Paul qui a écrit, il dit « eh bien, nous avons un meilleur messager ». Avant, c'était les anges qui venaient annoncer. Et sur le mont de Sinaï, ce sont les anges qui sont venus annoncer la loi. Et Paul dit, maintenant nous avons un meilleur messager, c'est le Fils lui-même. Après avoir parlé par des anges et des hommes, maintenant Dieu a parlé par son Fils. Donc le Fils est le meilleur messager par rapport aux anges et par rapport aux hommes. Ensuite, il présente Jésus-Christ et dit, il y a des apôtres qui ont parlé, mais le meilleur des apôtres, c'est Jésus-Christ lui-même. Puis, il va comparer les prêtres. Il va dire, bon voilà, le prêtre, que ce soit Aaron, est issu de la tribu de Lévi. Mais le prêtre qui est Jésus-Christ, lui, il vient de Melchisédek, c'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc c'est le meilleur prêtre par rapport à la tribu de Lévi. Parce que, eh bien, la tribu de Lévi, c'est-à-dire le père fondateur de la tribu de Lévi, lui-même a payé ses dîmes à Melchisédek. Donc Jésus n'est pas ordre physique là, il est d'un ordre supérieur. Ensuite, il parle de l'alliance. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a eu l'alliance. Mais maintenant, Dieu a établi l'alliance, la meilleure, parce que cette alliance-là a été scellée par le sang de l'agneau qui est sans défaut. Avant, c'était le sang des animaux. Mais aujourd'hui, c'est le sang de son Fils qui a scellé cette alliance. Donc, c'est la meilleure des alliances. Et ensuite, il parle du meilleur sacrifice. J'oublie les chapitres. Chapitre 3 à 4, meilleur apôtre. Chapitre 4 à 7, meilleur prêtre. Chapitre 8 à 9, meilleure alliance. Et chapitre 10, au chapitre 10, 31, meilleur sacrifice. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est le meilleur des sacrifices. Parce que les autres sacrifices couvraient le péché, mais le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, ôte tout péché, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent. Et puis au chapitre 10, verset 32, ou
au chapitre 12, verset 39, c'est là qu'il parle de la meilleure voie. La meilleure voie. Alors, il les compare, comme je le disais, et il laisse ses auditeurs décider eux-mêmes. Par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre choix? Et certainement que, eh bien, ces gens, ces juifs convertis, vont choisir ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte? D'abord, dans la vie chrétienne, nous avons un but. Paul montre que dans la vie chrétienne, nous avons un but. Puisqu'il est dit, courons, ayant des regards sur Jésus, le chef de consommateur de notre foi, courons, au verset 1, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc nous avons un but. Nous savons où nous allons. Celui qui ne sait pas où il va, c'est sûr qu'il n'ira nulle part. Il fera du surplace. Il va tourner en rond et il reviendra à la case départ. Le chrétien n'est pas un touriste qui sort chaque fois pour revenir à la case départ. Il y a des touristes. Ils quittent l'hôtel le matin, ils tournent et puis ils reviennent à l'hôtel le soir. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Quand nous sommes sortis, nous sommes bien sortis. Et nous n'allons plus revenir. Ce n'est pas pour revenir, mais c'est pour justement courir dans la carrière qui nous a été tracée. Et pour atteindre notre but. Et notre but, c'est d'atteindre le ciel, là où Jésus-Christ a préparé des places pour chacun de nous. Le chrétien poursuit un but, c'est ressembler à Jésus-Christ sur la terre et résider avec Jésus-Christ dans le ciel. Amen. Ressembler à Jésus-Christ sur la terre et résider avec Jésus-Christ dans le ciel. Paul disait, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Celui qui regrette son passé est celui qui n'a pas d'objectif pour son avenir. Nous devons oublier ce qui est passé et courir vers le but qui nous a été tracé. Le deuxième point, c'est que dans la vie chrétienne, nous avons une inspiration. Et là, je voudrais peut-être m'attarder. Parce que Paul nous dit que nous avons une nuée de témoins. Nous avons une nuée de témoins. D'abord, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire individuelle, ce n'est pas une histoire solitaire, ce n'est pas une histoire isolée. Nous sommes mis en orbite, mais nous sommes avec des gens, dans le passé et dans le venir. Parce que, en fait, quand on parle de la vie chrétienne, quand on parle du salut, c'est aussi bien pour ceux du passé, du présent, que les pas encore nés, ceux qui vont venir. Alors nous avons des témoins. Pour nous, dans le présent, nous avons une quantité de témoins. Et je voulais simplement citer quelques témoins, que ce soit dans l'Ancien, parmi les patriarches, que ce soit parmi les rois ou les prophètes, ou dans le Nouveau, citer quelques apôtres. Nous avons par exemple Abraham. Abraham qui est assis et qui nous regarde et qui nous dit, dans la vie, il faut toujours persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, on m'a fait la promesse et j'ai attendu des années et des années pour que la promesse se réalise. Mais je peux vous dire une chose, Dieu est fidèle. Quand il promet, il le réalise. Donc Abraham est assis, il te regarde, il te dit, va jusqu'au bout. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen et elles s'accomplissent. C'est comme ça que je suis devenu l'ami de Dieu. C'est en persévérant que je suis devenu l'ami de Dieu. Entre-temps, j'ai faibli et j'ai proposé des solutions aléatoires. Mais Dieu m'a ramené à l'ordre
en me disant, ce n'est pas Ismaël qui sera le fils de la promesse, c'est Isaac. Et Isaac est né à un moment où je n'y croyais plus. J'ai passé par plusieurs tests, le test même de l'impossible. Je l'ai passé et je l'ai réussi. C'est pourquoi je te dis, tout est possible. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Eh bien, Abraham te dit, tout est possible. Tout est possible, crois seulement. Ensuite, nous avons Jacob. Jacob va te dire, eh bien, les promesses de Dieu sont oui, amen, et surtout la grâce de Dieu se manifeste envers des gens, même comme moi. Parce que je ne suis pas digne. Mon nom est usurpateur. Je suis vraiment, et j'ai usurpé, non seulement mon frère, mais mon oncle. J'ai tout usurpé, juste parce que le Dieu puissant me rencontre et il m'a transformé. Donc il y a de l'espoir pour toi. Quelle que soit ta situation, je te dis, si le Seigneur te rencontre, eh bien, tu seras transformé. Même si tu peines, même si tu peines dans ta vie spirituelle, moi je te dis quelque chose, eh bien, il y aura une rencontre, un temps, un périmètre où tu vas rencontrer ton Dieu. Tu rencontreras ton Dieu. Il transformera, non pas seulement, non pas ton nom, mais surtout ton avenir. Il fera de toi, eh bien, l'homme de sa grâce et l'homme de ses promesses, et il va réaliser toutes ces promesses-là dans ta vie. David te dira, eh bien, s'il y a quelqu'un qui a failli, c'est bien moi. J'ai failli parce que j'ai été un roi adultère. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Au contraire, ses promesses se sont réalisées et je suis devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Comment peut-on, de pécheur, devenir l'homme selon le cœur de Dieu si ce n'est la grâce de Dieu? Alors je t'encourage, même si tu es dans ma situation, eh bien, ne lâche pas prise. Comme disent les Anglais, never give up, n'abandonne jamais. Parce que le Seigneur, il efface ton passé et il prépare ton avenir. Quelqu'un comme Jérémie dira, eh bien, si tu es comme moi, c'est-à-dire, tu n'as même pas de joie. Parce qu'il était interdit à Jérémie de se marier. Il était interdit à Jérémie d'aller dans une maison de fête. Il était interdit à Jérémie d'aller dans une maison de douleur. Il était interdit à Jérémie de se réjouir. Jérémie va te dire, même si c'est ta situation, ce qui est sûr, c'est que tu as un message et tu as un avenir. Le Seigneur t'a choisi pour ça et il va accomplir ses desseins dans ta vie. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait encore des Jérémie. Il y a eu un Jérémie dans l'Ancien Testament, un Jérémie dans le Nouveau Testament à la personne de Jean-Baptiste, mais à partir de là, c'est fini. La vie spirituelle n'est plus une vie misérable, mais c'est une vie pleine de joie, c'est une vie pleine de victoire, c'est une vie sociale, c'est une vie où le Seigneur vraiment nous accompagne dans nos projets et nous bénit dans nos entreprises. C'est vrai, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens dans les monastères, dans les couvents, il y a eu des gens qui se sont consacrés, entièrement consacrés à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, pour que le salut puisse atteindre toutes les nations. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a choisi pour être un prophète de pleurs, celui qui va intercéder devant le Seigneur pour que d'autres soient sauvés. Ce n'est pas pour que tu t'isoles, mais pour que tu pries. Quand tu t'isoles, c'est entre toi et ton Dieu, mais c'est pour le salut de plusieurs. Quelqu'un comme Daniel dira, eh bien, je te regarde. Je sais que tu es un fonctionnaire. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Je sais que tu n'es pas aimé à cause de ta position. Parce que ton patron, ou en tout cas, on te préfère, on reconnaît tes qualités. On t'a élevé. Et à cause de cela, eh bien, ça a créé une certaine jalousie autour de toi. Mais je te dis quelque chose. Si tu te mets à part, et si tu continues à adorer ton Dieu, même si on t'envoie dans la fosse au lion, tu sortiras vainqueur. Amen. Tu sortiras vainqueur parce que le Dieu qui t'a élevé, ce Dieu-là t'accompagne dans toutes les situations de ta vie
afin de glorifier son Saint-Nom. Pierre dira, eh bien, s'il y a quelqu'un qui a été traître, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui a abandonné, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui a rétrogradé, c'est bien moi. Alors je te dis, moi Pierre, même si tu as rétrogradé, même si tu as fait marche arrière à un moment donné, alors je te dis que Dieu ne t'abandonne pas. Jésus ne t'abandonne pas. Il est avec toi et il va te restaurer comme il m'a restauré. Il a fait de moi le premier disciple, non pas parce que je le méritais, mais dans sa grâce. Parce que Dieu savait ce qui était au fond de mon cœur. Et Dieu savait que j'aimais Jésus de tout mon cœur. Maintenant, ce sont les circonstances-là, les difficultés, les problèmes. L'avenir, mon avenir qui était un peu en pointillé. C'est ça qui a fait qu'à un moment, j'ai reculé. Mais quand il est revenu vers moi, quand il m'a envoyé encore pécher une deuxième fois, alors là, j'ai su qu'il ne m'a pas abandonné. Il était avec moi, il est revenu me chercher, et moi, je me suis attaché à lui, et c'était pour de bon. Pierre te dit, tiens bon, quelle que soit ta situation. Et ensuite, Paul te dit, eh bien, moi, je t'ai pas dit, parce que j'ai persécuté. J'ai fait du mal à l'Église, mais dans sa grâce, il m'a arrêté. Sur le chemin de Damas, il m'a arrêté. Et maintenant, eh bien, j'ai fait plus que eux tous, non pas moi, mais par la grâce de Dieu qui a habité en moi. Donc, toi aussi, oublie le passé. Oublie le passé. Oublie les aspects négatifs. Oublie même le passif. Et continue. Et va de l'avant. Et tu seras récompensé comme moi, tu seras béni comme moi, tu seras source de salut pour beaucoup de personnes. Ils témoignent de leur foi. Tous avaient les yeux fixés sur Jésus. Ils sont témoins aussi de notre performance dans la foi. Un acteur essaierait de mieux jouer son rôle s'il se rendait compte que dans la salle, il y a d'illustres autres et des spectateurs qui le regardent. Quelqu'un qui doit faire quelque chose, s'il se rend compte que dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent mieux que lui, qui peuvent apprécier, il va faire mieux. Et comme nous sommes entourés par des gens qui savent mieux et qui nous ont dévancés, c'est à nous de faire de telle manière qu'ils soient contents de notre performance. Le ciel nous regarde, le ciel nous surveille, le ciel nous suit. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce qu'ils ont passé par là et nous n'avons aucune excuse. Dans la vie chrétienne, troisièmement, nous avons un handicap. Nos péchés constituent un handicap sérieux pour la course. Le mot employé est « okkos », c'est-à-dire une sorte de masse qui nous tire vers l'arrière au lieu de nous tirer vers l'avant. La fois dernière, j'ai parlé des habitudes, j'ai parlé de certains loisirs. Et ce sont ces genres de péchés-là. C'est-à-dire ce qu'on fait facilement, ce qu'on aime faire facilement et ce qui ne gêne pas obligatoirement les autres, mais nous gêne dans notre course vers le but qui nous est réservé. Souvent, on entend dire que tel joueur ou tel athlète s'est mal produit parce qu'il était lourd ou il avait du plomb dans les ailes. Pourquoi? Parce que pendant que les autres s'entraînent, lui, il jouait. Pendant que les autres s'abstiennent de certaines choses, lui, il s'est permis certaines choses. Il est arrivé sur le terrain de la performance, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que lui, il n'a pas fait comme les autres, donc il ne peut pas réussir comme les autres. Si nous voulons aller loin, il nous faut voyager léger. Ces péchés peuvent ne pas être prescrits par la loi de Moïse. Comme je le disais, ça peut être des habitudes, des plaisirs, des indulgences dans certaines choses, des associations qui freinent la course. Débarrassons-nous. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Même quand on est dans la volonté de Dieu, il y a des étapes. Il y a des choses que Dieu peut me demander et ne pas vous demander. Et vice-versa.
des choses que Dieu peut vous demander et ne pas me demander. Parce que Dieu traite individuellement avec chacun. Et Dieu ne mesure pas, Dieu ne nous demande pas de nous comparer. Dieu nous demande simplement d'être source d'émulation pour les autres. Quatrièmement, dans la vie chrétienne, nous avons un moyen, la persévérance. Cette persévérance n'est pas guise de pessimisme, de fatalisme ou de passivisme. C'est le contraire. C'est plutôt la persévérance qui permet de maîtriser les circonstances et les situations. C'est une détermination qui refuse la défaite. Les problèmes sont pour le chrétien l'occasion de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Vous voulez grandir? Alors, Dieu vous envoie des problèmes. Vous ne voulez pas grandir? Vous n'aurez aucun problème. Vous voulez grandir? Vous aurez droit à un lot d'épreuves. Vous ne voulez pas grandir? Alors demandez à Dieu, je ne veux pas d'épreuves. Laisse-moi là où je suis. C'est ce que les pharisiens avaient dit. Il ne faut pas nous perturber. Ne nous dérange pas dans notre situation. Je suis bien comme ça. Je suis au confort comme ça. Mais si vous dites à Dieu, je vais aller de l'avant. Si vous dites à Dieu, je vais être différent. Si vous dites à Dieu, l'année 2012, là, il faut que je connaisse la puissance de Dieu. Il faut que je fasse une expérience personnelle, une rencontre personnelle. Il faut que Dieu me donne rendez-vous, comme il a donné rendez-vous à Abraham, comme il a donné rendez-vous à Moïse, comme il a donné rendez-vous à tant d'hommes dans la parole de Dieu. Si vous voulez un rendez-vous avec Dieu, vous aurez d'abord un rendez-vous avec le diable. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Vous aurez rendez-vous avec le diable. Parce que même quand Daniel a prié, quand il était même dans la volonté de Dieu, il a prié, eh bien, l'ange du mal a empêché Michaël de venir au secours et d'exaucer. Michaël avait l'exaucement. Mais il y a eu quelqu'un qui l'a empêché pendant trois semaines. Pendant trois semaines. C'est indicatif. Ça peut être trois semaines, ça peut être un mois, ça peut être des mois. Mais, si vous voulez avancer, eh bien, le diable fera ce qu'il peut pour vous empêcher d'avancer. Mais si vous persévérez, vous verrez la voie de Dieu. Amen. Dans la vie chrétienne, cinquièmement, eh bien, nous avons un exemple. Jésus est l'exemple lui-même. Parce que Jésus, comme nous dit la parole de Dieu, il a enduré tout. L'ignominie, il a enduré les moqueries, tout. En vue de la joie qui lui était réservée. Amen. Nous aussi, de la même manière, nous endurons tout en vue de la victoire qui nous est réservée, en vue de la joie d'être avec le Seigneur Jésus-Christ quand nous ne serons plus de ce monde ou quand il viendra nous chercher. Son devoir a passé par la croix, la souffrance, mais il a supporté pour être l'exemple. Et il a dit aux disciples, si on a fait ça au bois vert, à combien plus forte raison, au bois sec. Mais nous sommes secs, mais nous ne sommes pas morts. Amen. Nous sommes vivants de la vie que le Seigneur nous a donnée. Finalement, dans la vie chrétienne, nous avons une présence. Jésus est avec nous. Le psaume 23 est l'exemple parfait. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le but de notre course. Il est le compagnon sur notre route. Celui que nous allons rencontrer est celui qui marche avec nous. La merveille de la vie chrétienne, c'est que nous allons de l'avant, entouré par des saints, oubliant tout sauf la gloire qui nous attend, et dans la compagnie de celui qui a déjà fait le voyage et a atteint le but et qui attend de nous souhaiter la bienvenue à notre arrivée. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons une présence, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Puisque nous avons le meilleur de ce qui peut arriver à un homme, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ,
Et puisque nous savons que Dieu a pour nous, dans le ciel, ce qu'il y a de meilleur, suivons les encouragements. Et soyons consacrés une fois pour toutes. Et soyons décidés une fois pour toutes. Et décidons une fois pour toutes d'être avec le Seigneur pour voir ce qu'il va faire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'un salut.